tant qu'être humain, de venir ici et bien sûr travailler avec une organisation malienne pour rédiger une nouvelle stratégie qui va être plus préventive et qui implique tous les acteurs dans cette société pour vraiment contribuer à une paix durable pour ce beau pays. Nous sommes là pour encourager parce que tout ce qui touche le Mali touche les Niger. Moi, je suis fière de cette initiative parce que je vois que ça va dans le sens de notre vision. Ça va dans le sens de l'élargissement de l'initiative que nous avons à faire et nous adhérons totalement à cette initiative. Le programme d'appui à la transition du Mali est un programme de l'USAID qui vise à accompagner depuis 2013 le Mali dans son retour à la démocratie et aussi dans le cadre du processus de paix. Moi, au niveau de l'Assemblée nationale, je ferai, comme à l'accoutumée, un rapport sur tout le sujet de sur le symposium, mais un rapport surtout qui va insister sur, en tout cas, la redynamisation de l'arsenal juridique. Cette rencontre a été très profitable à plusieurs niveaux, parce que ce qui était cherché déjà au début, c'était de pouvoir réunir toutes les grandes personnes ressources de différents secteurs, de les réunir dans une salle et de pouvoir prendre le maximum avec eux.